Bonjour à tous, donc je suis de nouveau avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'identité, donc les questions que vous pouvez rencontrer quand vous avez un rendez-vous à la préfecture, à la mairie, dès que vous avez un rendez-vous et qu'on vous demande qui vous êtes. Donc pour cela, comme je ne suis pas en classe, je n'ai pas de tableau, je n'ai seulement que mes ardoises que j'utilise, voilà, pochette plastique que j'utilise en classe. Donc je vais fonctionner de la même manière. Donc première question. Comment vous vous appelez? Donc je vous ai à chaque fois écrit les questions. Donc voici comment vous vous appelez. Si vous me posez la question à moi, comment vous vous appelez? Je vais vous répondre, je m'appelle Judikaël. Deuxième question, je vais vous montrer une illustration. Donc là, voici donc la question que j'attends. Quel âge avez-vous? Je vous montre mon ardoise pour lire la question. Donc je recule un peu. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donc, la même chose, vous me posez la question. Je dis quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. Deuxième question. Donc là, j'ai fait un petit dessin parce que je n'avais pas de drapeau avec moi. Voici un petit drapeau où derrière, j'ai le planisphère du monde. Voici. Question, troisième question. Quelle est votre nationalité? Donc, je vous montre la question. Donc, je prends un peu plus de recul. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Donc, la même chose. Vous me posez la question. Je dis quelle est votre nationalité? Je suis française. Quatrième question. Donc, voici. Là, j'ai choisi. Donc, l'illustration, c'est une maison. En fait, j'attends la ville. Vannes, Auray, Ploermel, Rennes, etc. Vous habitez où? Voici la question. Vous habitez où? Vous habitez où? Vous me posez la question. Je dis quelle. Vous habitez où? J'habite à Sulniac. Je continue. Voici quelques illustrations. Donc, première illustration. Deuxième. Troisième, alors, quelle question se cache derrière ces images? La profession, le métier, l'emploi, le travail. Donc, la question, quelle est votre profession? Attendez, je vais bien vous mettre mon ardoise. Quelle est votre profession? Donc, si vous me posez la question, je dis quelle est votre profession? Je suis formatrice français langue étrangère. Donc, je vous enseigne le français. Ensuite, autre question. Marié. Vous êtes marié? On pourrait également poser comme question, vous êtes célibataire? Donc, si vous me posez la question à moi, je dis qu'elle, vous êtes célibataire? Non, je suis mariée. Je continue. Dernière question pour aujourd'hui, au sujet des enfants. Question, vous avez des enfants? Voici. Vous avez des enfants? Réponse attendue, oui ou non. Vous me posez la question à moi, je dis qu'elle, vous avez des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Voilà. Passez une bonne après-midi. À bientôt.